Ce matin, j'ai appris que le mot français gaze, tissu de coton très léger et transparent, servant pour la fabrication de compresses, vient du mot arabe Gaza ou Gaza, parce que les Gazaouis sont des tisseurs doués depuis des siècles. Alors je me demande, combien de nos plaies ont été pensées grâce à eux? Et combien des leurs sont restées béantes par notre faute?